aujourd'hui, papa dit, aujourd'hui il est. Bientôt c'est le mois de décembre. Le mois de décembre est plein de fêtes. Il y a Noël, il y a janvier. C'est là qu'on fait beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Le mois de décembre. Maintenant, je vais vous dire. Il faut savoir choisir son cas. Le cadeau qu'on va offrir à quelqu'un, il faut bien le choisir. Voilà que dans une coupe commune, ça c'est dans l'arbre. Dans un arbre, choisir son cas. L'arbre, le cadeau commun, les animaux qui dorment dans. Voilà que. Dedans, il y a le serpent. Ça, c'est dans l'arbre. Il y a l'oiseau. Dans un arbre, il y a l'arbre, la coupe commune, les animaux qui dorment dans. Tout ce monde la vit dans la coupe. Dedans, il y a le serpent. Il y a le serpent, la famille du serpent. En tout cas, elle met bien la famille de la chauve-souris. Tout ce monde la vit dans la coupe. Et voilà la fête de Noël approche. Et le serpent, la famille. Maman serpent va au marché. En tout cas, elle met bien la famille. Cette année, souris. Et je vais offrir un cadeau à ma camarade. Et voilà la fête de Noël. La chauve-souris et ses enfants. Maman serpent va au marché. Maman serpent fait les emballages de tout ce qu'elle a acheté. Elle rentre à la maison, la cour commune, elle appelle sa voisine, elle dit, voisine, oh, ma voisine, voilà ce que j'ai acheté pour toi et tes enfants. Les emballages de tout ce que maman chauve-souris, toute contente, elle pense que c'est cadeau et elle rentre dans sa la cour commune, elle appelle sa voisine, elle dit, attendez le jour J, ouvrir, ou bien pour déballer les cadeaux. Mais curiosité, qui est les hommes sont curieux de ces cadeaux et elle rentre dans sa maman chauve-souris appelle ses enfants. Attendez, venez les enfants pour déballer les cadeaux. Voilà ce que maman ne sait pas acheter pour nous. Les enfants pressés. Maman chauve-souris appelle ses enfants. C'est que j'ai les cadeaux ça. Venez les enfants. On déballe. Voilà ce que maman ne sait pas acheter. Chapeau, il n'y a pas faute. Les enfants pressés, il faut un peu. Il faut qu'on la chauve-souris va porter le chapeau à quelqu'un. C'est que j'ai les cadeaux ça. Au moment où elle est dans le désert en train de survoler la nature, ou bien au moment où elle est couchée et puis les pieds, les pattes tombent dans les branches et puis la tête en bas. La chauve-souris va porter le chapeau à quelqu'un. Au moment où elle est dans le désert en train de survoler la nature, ne parle pas, ne dis rien. Demain, demain, c'est dans une semaine la branche et puis la tête en bas. Il y a pas de chauve-souris. Elle va me sentir. Maman, c'est faux, va me. La chauve-souris est fâchée. Elle dit, ne parle pas, ne dis rien. Elle fait ses emballages. Elle vient. Cette année-là, la fête est trop belle pour nous. Maman, elle te prépare très bien. Voici tes présents. Les enfants. Elle fait ses emballages. Maman, c'est pas fait ses enfants. Vas-y, cette année-là, la fête est trop belle pour nous. Maman, chauve-souris a pensé à nous. Les enfants, ils rentrent dans leur chambre. Curiosité oblige. Maman, c'est pas fait ses enfants. On déballe. Les enfants sont finis. On dit quoi? Maman, chauve-souris a pensé à nous. Ou bien des baya. Ils rentrent dans leur chambre. Maman, c'est pas fait ses enfants. Curiosité la forme. On déballe. Où? On dit quoi? Elle essaie, elle est là. Frique que ça descend. Ou bien des baya. En même temps, il n'y a pas épaule. Maman, il n'y a pas fait. Il n'y a pas bonjour. C'est à quoi qui va retenir Codier? Maman s'est fait dans tous ses états. Ses enfants sont reportés. Maman, pourquoi? Oh non, il faut les frappe. Il faut que la pique. Si c'est pas appliqué, oh maman s'est fait dans tous ses états. Ses enfants voilà, maman s'est fait ses enfants. Maman, sur le dos de qui? Oh non, maman, je vais aussi ses enfants. Attendez. Attendez, voici le coup qui t'a fait ça. Chauve-souris et ses enfants. Attendez, nous voilà maman. Attendez, nous enfants. Sur le dos de qui? Chauve-souris va s'arrêter. Chauve-souris et ses enfants. Ça coule. Attendez, donc la famille chauve-souris devant. Voici le coup qui t'a fait ça. Chauve-souris et ses enfants. Attendez, nous. Non, attendez. Je dis, c'est quoi ça? Chauve-souris va s'arrêter. Donc la famille chauve-souris devant. La chauve-souris va s'asseoir. Sur le toit de la cuisine du chef du village. Le serpent arrive, fatigué, effrayé.
comme dans le riz, va t'asseoir sur le la chose du cou. On sait quoi, on sait quoi. Ces enfants l'aident à éteindre son feu. Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un pour éteindre. Comme dans le riz. La chauve-souris approche, le boulet, papa, on secoue, on secoue. Pardon, je t'en supplie. Va régler mon litige. Mais c'est pas que massacrer ma famille, fais quelque chose pour moi. La chauve-souris, sinon mes enfants et moi nous sommes morts. Papa, papa, le boulet, tu fais ça. Je t'en supplie. Eh bien, les oiseaux ne peuvent pas imaginer. Moi, je règle les problèmes. Le problème des gens qui ont des pieds. Moi, les hommes, nous qui avons les deux pattes là. Si c'est pentacle, perdri, je peux gérer mes trois chauves-souris. Eh bien, débrouille-toi. Moi, je règle les problèmes. La chauve-souris va voir le mouton. Le mouton dit, ben, tu m'as bien regardé. Nous qui avons les deux pattes. Si c'est affaire de cabri, c'est pentacle, perdri, je peux gérer mes trois chauves-souris. Je peux bien régler. Mais, toi, la chauve-souris va voir le mouton. Oiseau, tu m'as bien regardé. C'est affaire de cabri. Animal, tu veux voir. Puis, je suis là. Gazelle. Aïe. Je veux bien le moment, chauve-souris, ça va voir. Toi. La famille. Le nid. Le bœuf. Oiseau. Bœuf. Nid. Aidez-moi. Animal. Moi, on règle le problème des hommes aux gros os. Moment, chauve-souris, ça va voir. Éléphant. La famille. En terre. Le bœuf. Je ne sais pas encore. Bœuf. Va régler ton problème. Aidez-moi. La non, chose le problème fatigué, est il n'y a personne pour l'aider. Mais le serpent est toujours là, avec son cou. On veut te piquer. Je ne sais quoi encore. On veut te piquer. C'est là. La chose que le chef du village dit, fatigué. Si on ne réussit pas à régler ce problème, est toujours là, ça va devenir très grave. Parce que le serpent fatigué peut nous piquer nous aussi. Et nous allons mourir. C'est là. Peut-être qu'il n'arrive pas à rattraper la chauve-souris qui descend dans un plan. On réussit pas à avoir le problème là. Alors le chef appelle tous les autres. Venez, on va régler ce problème. Et nous allons mourir. Personne ne veut l'écouter. Peut-être qu'il n'arrive pas à rattraper la chauve-souris qui descend dans un plan. La chauve-souris retombe dans le même feu. Mais la chauve appelle tous les autres. Venez, on va régler ce problème. La chauve-souris qui se coupe tombe maintenant sur la paille. Un jour, vous voyez les toits du village, la chauve-souris retombe dans le même feu. Mais elle prend feu. Entre temps, la femme du chef est en train de faire ses canaris, ses maris en terre agit. Vous voyez les toits du village, tout tombe sur la pauvre femme. Combien feu? Elle prend feu. La femme du chef est morte. La femme du il faut faire la funéraille. La femme du chef canaris. Mais il faut bien savoir qu'elle a provoqué la mort de cette dernière. Mais avant de parler, on demande un coq. La femme du chef est morte. On attrape le coq, on l'attache. On doit le tuer pour mais sacrifice. Mais avant de parler là, ou creuser une tombe, on demande un mouton. Parler, on demande un coq. C'est pas comme maintenant où on donne la vie, c'est finalement un mouton. On doit le on a attaché les sacrifices. Le mouton. Avant le chef dit, ben, les funérailles de ma femme, tombe, moi comme ça, les funérailles de ma femme. Les moutons, c'est quoi? C'est pas comme maintenant où on donne la vie, c'est finalement. Un mouton. On a attaché, le bœuf. Le mouton. On doit tuer tout cela. Le chef dit, mais vous savez pourquoi? Funérailles de ma femme. Moi, parce qu'on refusait de régler le problème de la chauve-souris qui a occasionné la mort. On a attaché le chef. Le bœuf. On doit tuer tout cela. Et c'est là que vous savez pourquoi? La chauve-souris, le fait du chef vient mentir. Que c'est la chauve-souris qui a occasionné. Les ancêtres qui sont venus prendre leur fille. La femme du chef. Le féticheur a menti. Il dit non, c'est la colère des ancêtres qui a fait qu'ils sont venus prendre leur fille. Menti. Et c'est la chauve-souris qui vient pour dire moi, je ne suis pas méchant. J'ai demandé une réconciliation entre le serpent, la famille du serpent et moi, ma famille. Personne n'a voulu m'aider. Ce sont les conséquences qui sont là. La vérité peut sauver tout ce village. Tout ce monde qu'on a rigoté qu'on veut tirer, relâchez-les, parce que c'est la famille du serpent, moi ma famille, serpent, personne n'a voulu m'aider, ce sont les conséquences historiques. Alors, chers parents, je vais dire quoi, la vérité peut sauver tout ce village, sans réconciliation, nous allons faire notre beau, relâchez-les, ça nous a échappé une fois, Dieu merci c'est revenu, moi, réconcilions-nous, alors, chers parents, je vais dire quoi, la paix, afin que notre pays soit un pays, réellement un pays de paix. Parce que si aujourd'hui, après la paix, si on ne revient pas assis comme ça, je vous assure, il y a des gens qui devaient être là. Il y a des gens qui devaient être là aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y a pas la paix dans leur famille, dans leur association là-bas.
on m'a appelé, on dit, on ne sera pas là parce qu'il n'y a pas la joie. Et quand il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Ce soir, mes parents, je suis très contente parce que vous êtes venus à cette journée de la paix. Que nous, tout ensemble, nous livrons la paix. Et quand il n'y a pas la joie, ne soyez pas comme quand il n'y a pas la paix. Cherchons à nous réconcilier. Mes parents, je suis très contente parce que vous êtes venus à cette journée de la paix. Que nous, tout ensemble, nous célébrons la paix. Ne soyez pas comme le serpent. Cherchons à nous réconcilier tout le temps. Je vous remercie. C'est pendant qu'a fini ce compte donné vraiment le message qu'a donné tout à l'heure le confrère. Merci. Je t'accompagne. Il a dit comme ça que la journée internationale n'avait pas été choisie. Merci. Au hasard. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la journée internationale de la paix. Et en même temps, le festival international parle de compteur. Vraiment, nous remercions notre maman, nous remercions toutes les associations qui ont eu le privilège de se déplacer, et nous remercions Thérèse et Wayou. Vraiment, grand merci à vous. Que Dieu vous bénisse et que chaque année, nous faisons toujours ce festival et grandit ce festival parce que c'est pas une des moindres qui fait ce festival. C'est notre maman, Amoin voilà. Ok, Amoin Kofi épouse Ado. Alors, je disais comme ça que aujourd'hui c'est la journée de la paix et presque tous les comptes ont eu attrait à la paix. Nous allons maintenant appeler un fils de ce village. Et celui-là, c'est pour aplatir ce terrain. Et dans le monde entier, surtout en Afrique, on a connu Lakidoubé. On a connu Lakidoubé, le seul Africain qui faisait le reggae dance. Et après Lakidoubé, dans le monde entier, on n'a pas pu déceler quelqu'un qui fait le reggae dance. Le reggae